Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode au Pérou. Aujourd'hui on se trouve à Puerto Maldonado. Au confluent de la rivière Tambopata et de la rivière Madre de Dios, en plein milieu de l'Amazonie. Donc Puerto Maldonado en général c'est juste un lieu de passage pour les touristes qui vont souvent aller dans les lodges et tout ça. Nous on a trouvé un espèce de petit truc privé ou plus spécifique avec des chercheurs qu'on va accompagner, qu'on va suivre pendant 2-3 jours. Et donc là, on va se balader un peu aujourd'hui dans la ville. Bon, très honnêtement, ça sert à rien de perdre son temps à Puerto Maldonado, du moins dans la ville. Parce qu'il n'y a strictement rien à faire et en plus il fait une de ces chaleurs, c'est horrible, ça nous change de Cusco hein. Bon bah du coup là on retourne au marché parce que demain on part dans la jungle et comme on n'a pas ce qu'il nous faut, alors il nous faut des bottes en caoutchouc. Normalement l'organisation en prête mais il se trouve que là ils n'ont pas notre pointure, du coup on va au marché en acheter. Avec de l'eau aussi et 2-3 autres bricoles qu'on aura besoin pour la jungle. Donc aujourd'hui c'est grand jour, on a 1h30 de voiture plus 20 minutes de bateau jusqu'à la forêt secrète et on vous emmène avec vous. Dernière étape pour rejoindre le camp, le bateau. Là on est vraiment au bord du rio Tambopata et là on est vraiment dans la jungle amazonienne, la vraie, il y a des papillons de partout, il y a des bruits d'oiseaux de partout, c'est magnifique. Un petit peu beaucoup transpirant parce qu'on a aidé pour ramener les bouteilles d'eau et tout ça pour le camp. Donc cet après-midi on va pas faire grand chose parce qu'il fait un peu trop chaud, mais là ce soir on va plus balader dans la forêt pour voir des animaux et aller près de l'eau pour voir tout ça. Bon, là on va manger et après je vous expliquerai comment est-ce qu'on a atterri ici. Dans le camp, il y a un truc qui est vraiment trop drôle, c'est qu'il y a un toucan, j'ai envie de dire domestique, bon il est plus en semi-liberté parce qu'il fait ce qu'il veut, il va où il va et vient, mais bon il vit ici, il dort ici et il a le même comportement qu'un chien, c'est trop drôle. L'histoire de Tuki le toucan mérite quelques précisions. Tuki a été sauvé jeune d'une vente au marché noir, mais malheureusement il était déjà trop habitué à l'homme. Il ne sait donc pas comment se comporter dans la nature.
Il aime passer du temps dans le camp, mais rien ni personne ne le retient ici, et les chercheurs espèrent qu'un jour, il rejoindra un groupe de toucans et qu'il mènera enfin la vie sauvage à laquelle il est destiné. Bon, alors vous devez certainement vous demander comment est-ce qu'on a fait pour atterrir dans la jungle amazonienne. En fait, on a rencontré quelqu'un qui nous a donné le contact d'une personne qui gère une organisation à but non lucratif qui s'appelle Fauna Forever. Ils sont basés dans la jungle donc de Tambopata, au bord de la rivière Tambopata. Et en fait, ils sont là pour récolter des données sur des mammifères, sur des oiseaux, sur les plantes, sur les arbres, afin de préserver toute la vie, en fait, toute la vie sauvage dans la jungle et afin de réduire les émissions de carbone. Donc en fait, nous, on est là pendant 2 nuits et 3 jours. Et on va pas vraiment les assister, mais on va plus les observer. Donc en fait, les chercheurs partent le matin et le soir. Il y a des chercheurs qui sont spécialisés dans les oiseaux, d'autres dans les mammifères, d'autres dans les plantes, dans les reptiles. Donc on va partir avec eux le matin et le soir, les assister, plus observer ce qu'ils font en fait. Donc à l'origine, c'est pas quelque chose du tout de touristique. Ça a rien à voir avec un lodge ou un hôtel ou quoi que ce soit. C'est vraiment un centre de recherche. C'est rustique, hein. De temps en temps, ils prennent des gens comme ça, quelques jours. Je pense que ça peut les aider à financer leurs recherches, principalement. Et peut-être un peu de faire connaître leur cause. Mais si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux. Et on vous donnera le contact de la personne qui gère l'organisation. Donc on vient de nous montrer qu'il y a dans la jungle des fruits super bons, ça s'appelle des wawa. On tord et on ouvre, et là, la petite partie blanche, c'est très sucré, je sais pas décrire ce que c'est, mais dites-moi ce qu'on veut. Very good. Là, on vient de faire voler le drone et il fait vraiment beaucoup plus frais. C'est très agréable maintenant d'être dans la forêt. Je pensais pas dire ça, mais on est obligé de vous préciser aussi que la nourriture ici est très 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 bonne comparée à des fois d'autres restaurants qu'on a fait. Enfin, bref, c'est juste un détail, mais là la vue est incroyable. Et puis on va bientôt partir se balader dans la forêt après le repas du soir. Bon, du coup, au camp, on a 2 très très bonnes cuisinières. Là, il y a Jessica qui nous fait des sauces pollo y banana plátano. Plátano, voilà. Fritos. Alors, plátanos fritos. Y pollo. Pollo frito. Ahí pronuncia plátanos fritos. Plátanos fritos. Ah, c'est muy bien. Plátanos fritos. Ok, du coup, elle nous fait du poulet et des bananes plantains cet après-midi. C'était super bon. Et là, on a Celinda qui cuisine avec elle et qui fait aussi de très bons petits plats. On est enfin à l'expédition avec Chris, spécialiste des petits mammifères et des oiseaux, et c'est trop cool. Du coup, on vient de faire notre première sortie nocturne avec Chris.
C'était super cool, on a vu plein de tarentules, on s'est baladé de nuit dans la jungle amazonienne et franchement rien que ça c'est l'expérience de dingue. Maintenant on va aller se coucher parce que demain on repart à 5h du matin pour observer des oiseaux. Aujourd'hui on s'est levé à 5h du matin, là on est retourné directement dans la jungle avec Chris. Donc en fait ce matin il met en place des pièges pour attraper des oiseaux, pour les mesurer. Bon bien sûr ils vont être libérés par la suite. Mais là voilà ce qu'on fait ce matin. Ce matin c'est l'observation et peut-être la capture d'oiseaux. Là on est en train de monter des filets pour attraper les oiseaux. Il y a des petites poches dedans. Donc on va revenir toutes les 30-40 minutes pour voir si on a attrapé quelque chose. Après avoir capturé les oiseaux, donc là on en a eu deux, on va donc, Chris va prendre des mesures, les peser et tout noter et après on les libère. So this is the upper belly. So. Okay, so my name is Chris Catola, and I'm the head field research coordinator here for Fauna Forever in the Peruvian Amazon. And today we're out doing some bird banding or bird ringing. And in my hand here, I have a male white-flanked ant wren that we've caught already this morning. And I'm going to put a band on it in a minute, a little ring. Let me just get that done so you can see how we do it. And this little ring allows us to tell if we capture him again which bird is which. It's a little unique identification marker. Kind of like a license plate for a bird. Now, we're going to do a few other things for this guy in a minute, but before we do that, just explain a bit about why we do what we do and how we do it. So we use these special nets called mist nets, which are very fine and really hard to see. And we put them in certain areas along the trails in our research site. And as the birds fly around and look for food, they get caught in these nets. And that's what we want, because we check these nets and we take these birds out and we put these bands on them. And it allows us to learn a lot of things about the community of birds in this area. It allows us to learn which species are here, which species are common, which species are rare. It lets us learn how long they live. It lets us learn where they move within our research site. And for many of the species here, this is a really small little bird, very hard to see. And it'd be very difficult for us to study this species just watching it. But because we're able to use mist nets to capture them, it gives us a really good idea of how common a species like this really is. It's actually very common, but if you walked around, you'd have a lot of trouble seeing it. So that's just a bit of an idea of some of the bird research we do here in Peru at Fauna Forever. Take your other hand, hold it like that, like this hand. And then hold your hand over it, and then when you're ready, just literally don't drop this, just open your hand. Okay? Ooh. Cool, that's okay. That's exactly right. And you hear the noises as he flew? Bon, deuxième tournée et on a plusieurs prises plutôt sympas pour l'instant. You want to sleep here? Now these are one of the birds that unfortunately I cannot band because their feet are so small.
Donc globalement, si vous voulez faire cette expérience, les journées s'organisent comme ça. Le matin, on se lève tôt, vers 5-6 heures, on va dans la forêt, on observe les animaux, on revient pour le repas du midi, on mange. Ensuite, on attend en fait que le soleil tombe, donc vers 19 heures, donc après le repas du soir. Et là, on retourne dans la forêt. Donc toute la journée, c'est plutôt du repos où il fait très très chaud. Mais voilà, c'est quoi, ça fait partie de l'expérience. Bon, par contre, au camp, il y a quand même un petit problème. Vous pourrez jamais aller aux toilettes en paix parce qu'il y a toujours Madame Pipi qui regarde. On s'est levé une nouvelle fois à 5h. Là on a pris le bateau, on va aller voir une tour à une quarantaine de mètres de haut pour observer la canopée vue de haut du coup au lever du soleil. Et normalement il y aura plein d'oiseaux, donc c'est parti. Et voilà, on est arrivé en haut de la tour qui surplombe la canopée. On a une vue incroyable, il y a plein de haras qui passent au-dessus de nous, c'est magnifique.